Donc, bienvenue encore une fois et nous on va continuer nos sessions. Question avec Madame Anne Lafortune et ma va crier Honorable Cosgrove. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi, Madame Lafortune. Madame Lafortune, une discussion aujourd'hui et around nous l'appointement comme ambassadeur ou pointé dans le cercle diplomatique. Par exemple, on est dans le travail auparavant, c'est quand même un petit pays, un petit état d'asile, et souvent voir les désavantagés avec, surtout là, il y a une bonne négociation, une bonne différence, instance avec un grand pays, ou soit un gros bloc, l'institution. Peut-être comment si vous avez appointé comme ambassadeur aujourd'hui, qui ou quoi ou capable de mener en vie de sa profession? Envie ou background de tourisme, de teaching, pourquoi on peut mener des plus pour capable mettre ceci le premier faire, ce qui ceci est toujours bénéficier devant différentes instances internationalement. Merci. Merci honorable, Madame Lafortune. Merci Monsieur Chair, merci honorable. Oui, définitivement ceci est un petit pays et qui un délai un petit pays quelquefois les autres pas gagne trop écouter là nous on peut discuter surtout de bonne coopération multilatérale par exemple so un qui moment pour faire c'est qui mon pour faire c'est qui mon capable network et bon les autres petits pays pour nous capable faire si qui quand nous dans bonne concerne qui pareil, bonne côté qui pareil, nous camer nous la voir ensemble et nous capable faire si qui nous bonne concerne gagne mettre l'eau l'agenda sa bonne négociation. Et mon quoi aussi qui avec mon background tourism mon faut espérer qui m'ont gagne placé dans un pays comment pour ca servir lui un maximum. On parle ou connaît pareil mon bonheur pour dire nous besoin recover après sa pandémie et tourism il nous pilier l'économie et il pour continuer nous pilier comme il pour continuer le temps même si nous peut diversify il pour prendre le temps pour nous aller dans d'autres secteurs. So avec mon background tourism mon pour capable faire si qui m'ont facilité mort dans sa pays qui m'ont gagné mettez more arrivals dans tourisme pas juste bon arrival mais surtout bon arrivals côté un bon high end du monde qui capable venir pour venir dépenser en ICCL aussi dans le côté investment mon les faire si qui m'ont capable assurer qui m'ont redemande l'opportunité pour moi capable promote investment dans le secteur tourisme à cause du tourisme c'est celle qui gagne une destination attirant et bonne investors et moi c'est mon pour une opportunité pour nous capable venir invest dans le tourisme et qui sa background qui moi non pour aider moi pour faciliter sa bonne interaction positive et définitivement comment l'éducation si moi mon gagne l'endroit côte mon senti pour dire mon capable promote ben l'intérêt l'éducation mon pour faire si qui m'ont connecté bien avec ben secteur si on a pour faire l'éducation avec secteur l'éducation pour moi connaître qui autre priorité quoi que soit content gagne l'aide avec. Et comme ça, mon fait si qu'il est mon dans aucune situation qui m'ont peut négocier, mon fait si qu'il nous priorité, il gagne rentrer directement au soir ensemble avec l'aide. Ben les autres pays, si par exemple, nous formons pas de pays l'Afrique, ensemble pays l'Afrique qui nous ont un commun l'intérêt contre l'éducation est concerné, ben nous fait si pour dire nous aussi nous gagne sa possibilité pour nous gagne sa bon développement. Merci, Monsieur Chair. Merci. Madame Lafortune, prochain intervenant, l'honorable Le Doudi. Monsieur le Speaker, merci. Bon après-midi tout le monde.
Et Monsieur Speaker, c'est celle pour tous nos enfants et c'est celle qui continue à faire son mieux pour capable balance gender à propos d'une opportunité pour bonne poste important. Bon matin, nous voyons Monsieur et là après-midi nous voyons et Madame. Après-midi, Madame Lafortune, opportunité claire où et alors bat tous les ailes Madame et dis-nous à cause de quoi qui est bien qui où qui nous a choisi pour sa poste. Merci. Merci, honorable. Merci, Monsieur Chair. Merci, honorable. Well, je crois pour à cause pareil ou connaît pour pareil mon dit bonnet pour venir ambassadeur ou besoin en a certain qualities. OK, ou besoin en a écho certain qualité. Et sa qualité est nécessaire pour qu'Avin fasse un bon ouvrage. Et je crois que le président, en consultation avec le ministre Foreign Affairs, il a besoin de voir dans moi sa bonne qualité qui est nécessaire pour être capable de choisir moi pour moi capable de venir comme ambassadeur. Par exemple, moi, je bonne qualité qui ou besoin un professionnel dans le travail et ça que faut une éprouver. Mais en particulier, mon hope qui mon apprêtement, il pourrait l'endroit que moi capable mettre en pratique mon background tourism. Mon dit avant pour dire que nous besoin recover, nous l'économie il besoin gagner, il besoin retourner par exemple avant dans sa pandémie. Et mon senti pour dire une bonne main raison quelquefois qui mon gagne choisi, c'est qui pour moi capable servir mon background tourism côté mon gagne placé pour moi capable faire si tourism development il reprend. Et qui m'ont capable faire si, qui m'ont capable emmène si tout investissement dans le pays, either through bon promoteur, ou soit et même through par exemple négocier bon connectivité pour bon touriste qui vient plus facilement. Si nous n'avons pas un bon connectivité, pour les touristes qui viennent plus facilement. Investissement différents possibilités qui en ont celles c'est son moment croire pour dire une mon raison pas nécessairement à cause moi mon et madame c'est moment ça hope qu'elle fera cause moi madame aussi mais c'est moment croire it's more pour demander qualities qui moi non et mon background of tourism pour nous aide l'économie sociale recover. Merci monsieur Chair. Merci Madame Lafortune. L'autre intervenant, honorable Aglaé. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, Madame Lafortune. Bien content pour nomination. On est 10 personnes qui nous intéressent à travailler ensemble pour l'OND projet. Madame Lafortune, mon question. Aujourd'hui, avec la globalisation du monde, il est important que nous ayons sa relation diplomatique à tout niveau. Et basé sur ça, moi, je suis content de te demander, premièrement, comment est madame, comment est femme dynamique, comment elle dit, qui m'a aidé ou pour plus pousser pour nous capables d'emmener, premièrement, Cécile, sur ce niveau, quand nous avons souhaité arriver en termes de globalisation économique, lui-même, et aussi emmener bon bénéfice qui nous capables de gagner à travers ben, différents traités qui nous forment partie, conventions qui nous signent, ben, economic agreement qui nous entrent là-dedans pour faire qui ou la guerre à cause parfois c'est celle comme être l'état d'asile quelque chose gagner poser là nous mais est-ce qui vous paraît pour ça la voir ou même pour dire ben mettre les à terre pour dire ben bon quoi là ça il faut dans nous intérêt en même temps advise gouvernement là où là-bas dehors advise gouvernement quoi qu'il nous besoin faire. Est-ce qu'il vous paraît avec ça la tasse, c'est que ça challenge pour vous capable de faire ça quelque chose, ça travaille une fruitier par nous t'a souhaité comme ambassadeur. Et aussi moi ça content demander souvent fois bonne faute qui nous fait c'est qui nous à l'ambassadeur là-bas nous gagne
un package, mais seulement il y en a un certain aspect aussi interlinkage avec ben les autres ambassadeurs qui nous en ont dans les autres pays. Et les mondes normes, les mondes globalisation, c'est qui nous en a différents continents, l'Asie, l'Europe, tout ça là, nous ne pouvons pas gagner de bénéfices économiques avec. Est-ce qu'il vous parle pour travailler avec ça, interlink ensemble, pour faire que nous ayons la même vision, la même objectif de bénéfices pays? Merci. Merci, honorable. Madame Lafortune. Merci, monsieur Chair. Merci, honorable, pour vos questions. Simone Paré, pour moi, la guerre pour CCL, définitivement, c'est ça la raison qui m'a accepté mon nomination. C'est que moi, un démon qui m'a le croire, qui l'a mettre mon esprit pour moi, achever quelque chose, mon pour faire lui. Je démontrer ça dans mon bon travail qui m'a fait dans les passés. Et je senti moi non avec moi sa qualité nécessaire pour moi push pour faire si qui nous gagne nous la voie gagne entendre. C'est ça est l'ouvrage ambassadeur ou besoin mais de l'intérêt au pays premier et il pas vaut la peine on va faire ça l'ouvrage s'il n'a pas aucun bénéfice qui vient après. Et pour moi c'est qui mon primordial, c'est qui m'a pour faire si, qui si mon gars accepté, approuvé, qui ça l'ambassade pour l'ambassade qui proactive et active en même temps, et qui m'a pour aller roder, m'a pour sortir, m'a pour aller roder l'opportunité, quand m'en connais y en a, pour moi qu'à faire si qui nous aide c'est celle. Et pareil, m'a peut dire nous dans nos situations, nous besoin recover economically. Et ça, il pour elle mon priorité pour regarder qui m'a hier. Nous ne pouvons pas faire si, quand il y a une bonne opportunité pour nous gagner l'aide directe, technique, financière, mon rodé, ou soit pour nous regarder, nous avons une commune, parce que nous connaissons nous cause beaucoup le climate change, nous cause beaucoup de quelque chose qui est commun avec les autres îles. Si je sens que moi, en tant que personne, je ne suis pas capable. Gai mon la va écouter then mon pour faire si mon network et ban les autres pays pour nous faire ça et aussi définitivement il pour elle mon priorité pour moi travailler ensemble avec ban les autres ambassadeurs mon croire qui nous gai coordonner by foreign affairs et qui nous base là-bas il pour et nous en a sa network. Nous avons un groupement qui est tout bon ambassadeur pour communiquer avec les camarades et nous pour aider les camarades définitivement quand ils sont capables de donner une idée, une technique qu'ils ont fait, qui sont successful, qui sont capables de pousser l'agenda devant. Ils donnent nous une idée aussi pour adapter ça ou mettre dans ce qui pour vous et aussi pour servir même la prose. Donc, définitivement, networking avec les ambassadeurs. Il est important. Merci, monsieur. Merci, madame Lafortune. Prochain intervenant, on aura Pilé. Merci, monsieur le speaker. Bon après-midi, madame Lafortune. Bon après-midi, tous les collègues et tout le monde qui l'écoute. Madame Lafortune, premièrement, je vous remercie pour toute bonne position qu'on a dans sa public service, on desservit dans plusieurs postes et on career civil servant, basically, si nous capables de dire ça, et on peut continuer une carrière de public service. Mais il y a une question qui nous lève tout le monde, et qui me croit peut-être mon besoin de demander, peut-être gagner un petit peu l'esprit, qu'on pense de sa school of thought, basically. Il y en a un pensée qui l'appointement d'un ambassadeur, il devrait être un domaine, une prémisse, on a besoin d'entendre ça par avant, une prémisse d'un monde qui n'en a une carrière dans le travail, dans le domaine de diplomatie. Qui vous pensez là et qui vous sentez comment un monde qui parle de ce domaine, mais qui dans le service public, de bonne carrière administrative, soit PS, soit directeur général, qui
qui bande bénéfice qui ou avant un an qui capable aider au match avec bande compétence qu'un dit monde qui ti pour dans domaine diplomatie pour beaucoup pour certains quand c'est temps en relation avec appointement pour venir ambassadeur. Merci Mr. Chairman. Merci honorable madame La Fortune. Merci Monsieur Chair, merci honorable pour question. Pareil mon dit auparavant, moi personnellement moi pas quoi qu'il y en a aucun critère déterminé qui dit ou besoin en a ça pour venir ambassadeur. Moi quoi worldwide il pas nécessairement que tout le monde qui sorti dans un carrière diplomatie qui vient ambassadeur. Pareil mon dit nous non l'exemple of ban ambassadeur qui pas sorti avec un carrière diplomatie et qui sont fait bien ou une fait actuellement très bien. So il prouvait qu'il ou pas besoin nécessairement en a un carrière dans diplomatie pour venir ambassadeur, mais seulement ou besoin ça l'expérience ou besoin en a sa qualities et ou besoin en a un peu l'expérience dans négociation ou besoin en a l'expérience dans bonne interaction et ça mon croit mon grande quantité comment dans département tourisme et qui après quelquefois après certains temps moi ciré il y a différents l'opportunité il a qui moi sire qu'il y en a un bon du monde qui pour gagner aussi à pointer qui ne fait autre carrière dans diplomatie il peut arriver ça c'est moi il pas quelque chose qui vraiment au besoin go through it quand tout manque moi quoi au besoin apprendre et tout bon ambassadeur avant autre grand autre posting ont besoin gagner un full briefing of quoi qu'ils ont postings about, quoi qu'ils ont besoin de concentrer là, et si on a quelque chose qu'ils ont pas encore gagné, c'est pour besoin faire si qui ça bonne affaire ou gagner les nécessaires. So moi personnellement, je crois pour dire, ou qu'a gagné l'espoir et qu'elle a dit monde qui pas nécessairement qui go through diplomatic channel, qui capable d'une ambassade. Et ça y a qu'a aussi donne encouragement ben les autres dimon aussi pour capable imaginer il y en a différents avenues qu'on capable gagner choisir et c'est l'important c'est qui ont besoin travail dire il est important pour travail dire montrer au focus et en a l'intérêt au pays à cœur tout le temps si ça il a la restant mon croire ou capable apprendre ou capable mettre ensemble ou capable recenser et ils pouvaient tout as a package et pareil moment dit mon crois mon plus grand bénéfice qui m'ont permené c'est mon background de tourism encore mon répéter mon quoi est important pour nous on a un investissement sérieux pour nous faire si qui nous paye il redévelopper il re-recover et ça tourism is still a main pillar. So moi crois ça un petit peu en plus qui moi ca amené à cause l'importance tourism comme un pilier nous l'économie dans ce style. Merci monsieur Chair. Merci madame La Fortune. Un membre in sacrifier son droit causer justement pour nous ca économiser le temps. Donc nous dans ce dernier intervenant, moi donne la parole leader of government business honorable George. Merci Mr. Chair, Mr. Chair, en effet, mon question est reliée avec sa une précédente. Madame La Fortune, mon view drill down, le ça qui vous fait causer là, ça bagage tourism qui vous en a et qui vous emmène dans une carrière diplomatique. Ou PS tourism pour un peu l'étang, ou une PS foreign affairs pour un ticket l'étang, et là, un seul coup, vous pouvez venir ambassadeur. Am I correct? Ok. On a dans Foreign Affairs seulement. Ou peut aller dans le ministère Foreign Affairs. Ou peut aller dans le ministère Foreign Affairs, ok? Comment ambassadeur?
Il passe en ce mon question. Comment est-ce qu'il y en a une grande expérience dans le tourisme, qui m'a eu à voir sa décision gouvernement pour link Ministry of Foreign Affairs avec Ministry of Tourism? Est-ce qu'il n'y en a aucune synergie là qui est capable d'être capte? Et si la réponse est oui, est-ce qu'il ou croit qu'il ou l'expérience dans le tourisme, il y avait plus bon, plus bien gagné utilisé comme un ambassadeur in name only, mais qui travaille dans la maison Kéo de Quincy, Montfleury, ou bien il y avait gagné plus bien utilisé dans un posting à l'étranger qu'on soit capable de drum up tourisme pareil ou fait expliquer avec nous là aujourd'hui. Merci. Merci, l'honorable. Madame La Fortune. Merci, Monsieur le Chair. Merci, honorable. Personnellement, je crois sa link entre foreign affairs et tourism, now of all time, est vraiment important. Par exemple, de voir pendant sa pandémie qui nous gagnons beaucoup de difficultés avec bon, différents pays with regards tout bonne restriction qui nous en a et c'est celle pareil nous peut dire nous voir de bonne beaucoup bonne zonal dehors bonne release qu'on va faire comment quand des pays peut questionner ou soit peut mettre restriction aux autres citoyens pour visiter un pays, qu'on a senti pour dire ça pas débique un petit peu beaucoup. Et sa négociation qui Foreign Affairs in fait avec ben différents foreign ambassadeurs, ben ambassade dans un pays, in aide quantité pour nous capables continuer gagner sa lien touristique avec sa ben pays. Par exemple, nous connaissons tout le pays européen, une sorte of either autres papiers encouragent bon monde pour voyager, ou soit ils mettent nous les autres red list. Mais nous sommes capables de vivre towards, et ça c'est travail foreign affairs, vivre towards bon pays pareil UAE, pareil Israël, pareil la Russie, pour nous négocier. Pour faire ci, qui nous continue sa link avec autres et qui un network qui continue avec autres et qui nous continue gagner sa accès à rien avec autres pour touristes continuer venir. Et si tu n'as pas sa intervention foreign affairs, je ne crois pas si nous tu pour capable aujourd'hui en voir une augmentation de bon tourism arrival. So pour moi, at this moment now. Ça groupe ensemble in aide pays en quantité. En quantité pendant la pandémie qui nous gagne. Et oui, mon expérience comme dans le tourisme, je crois qu'il y a une bonne raison quelquefois qui m'ont gagné demandé pour venir ambassadeur. Et obviously, ambassadeur qui pour aller, qui pour aide. Département touriste qui pour aide investissement pour nous capables de gagner plus de développement tourisme dans le pays. Je répète, touriste est encore pilier nous l'économie. Même si nous diversifions, est encore pilier nous l'économie. And the more que nous faisons pour nous gagner tourism development, more arrivals, more investment dans le tourisme, il pour aide nous. Et moi, je crois que ça, c'est une bonne. Ben raison primordiale qui m'ont gagné nominé pour moi capable de faire ci qui whatever mon gagne placé mon négocier mon mettre ma priorité c'est en place et en particulier avec tourism qui m'ont fait ci qui nous fait nous tourism secteur remonter et revient pareil c'était là avant et qui nous capable et nous l'économie pour nous pour les développer bien. Merci monsieur speaker. Merci madame La Fortune. Donc ça c'est dernier intervenant pour de nos sessions. Question avec madame Anna Fortune.
nous va remercier pour un bon après-midi et nous va excuser parmi nous et nous va souhaiter tout de bon dans n'importe quoi qu'il a venu bien masser pour. Merci pour un nous. Après, on va reconstituer nous l'Assemblée pour nous aller dans un stade débat pour les membres qui ont envie de contribuer un petit l'intervention. L'ociser l'apprêtement, Madame Lafortune, qui m'a aussi remind les membres, c'est qu'ils nous l'ont fait nous order paper with regards to bon appointment. Donc, il restait N encore et nous pour push nous travail. Un petit peu plus tard aujourd'hui, so fingers crossed, on va wrap up by 5h30 si nous restons conscients time management. Donc, je vais inviter le premier intervenant dans nos débats, Honorable Barisol. Merci, Mr. Speaker. Monsieur Speaker, tout le temps, il y a un plaisir, il y a la gloire, l'étant Wayne ou frais, ou bien nous sait ces lois, il y a fait imposition. Et dans sa cas l'après-midi, ça c'est Madame Anne Lafortune qui peut gagner au fait une position ambassadrice par nous dit. C'est le temps mon gars son CV. Ça y montrer pour dire le temps mon peut suivre son CV, il montrer pour dire un madame qui commence travail bon puis l'année passée de gouvernement et il commence bas par nous dit et il monte, il travaille, il gagne son promotion, il s'enze, il a dans plusieurs secteurs, il a dans secteurs ministères. Et aujourd'hui, il va aller gagner au fait une position comme ambassadrice. Mon point là, c'est mon point important pour nous banzen qui peut écouter aujourd'hui, comprend, pour dire travail dit tout le temps y a mené rendement et travail dit tout le temps y a mené bénéfice à la fin. Parce que souvent une fois nous banzen aujourd'hui autre quoi pour dire le temps comment se travaille, des suites ou gagner promotion ou bien des suites ou gagner sa salaire ou tirer rêver pour gagner. Mais non, tout ça là il vient avec travail dit. Il est tellement pégé de CV, Madame Lafortune, ça y reflète un peu. Deuxièmement, Monsieur Speaker, si moi tu lèves mon main pour moi demander Madame Lafortune une question, moi tu peux demander en relation avec Saint-Louis, parce que l'État indien grandit Saint-Louis, moi tu peux demander si président qui, à cause de tige, de président, c'est mes sérieux, alors le président nous fait sa place à l'ambassadrice. Mais moi, pas lève mon main pour demander sa question, mais moi souhaite, quand même, je suis autres de président, c'est mes sérieux, c'est une grandie, c'est mes sérieux. Mon souhaité et mon connaît pour dire si le président choisit, c'est à cause bagage qui en a, son qualité du monde qui nous voit là devant et par nous tout nous connaît bonne contribution qu'il fait dans le gouvernement de plusieurs positions. Moi assuré pour dire sa travail, sa responsabilité qu'il gagne au fait aujourd'hui et pour capable aider le pays à l'avenir pour assurer qu'un autre madame, encore Cécile, y a fait nos pays briller et amène nos pays plus devant. Existement le topic qui est cause loi c'est tourisme. Tourisme est quelque chose aujourd'hui qui est important. Mais COVID nous montre nous pour dire pas juste tourisme qui nous capable de parler là, mais nous besoin rôle les autres secteurs pour que nous comme un petit peu isolé, bien loin avec le monde, nous capable aussi débrouiller pour que nous pays y rester un pilier pour plaisir les monde qui peut nous. Mais c'est tout tourisme qui Madame Lafortune une cause là. Monsieur Speaker, moi l'état mon écoute Madame Lafortune avec ça qui m'ont peut voir devant moi le son civil, moi n'a pas aucun doute. Pour dire président fait un bon choix et moi envie dire que Madame Lafortune pour dire moi de mon côté et moi assurer avec tout mon bande membre ici le nous côté la table nous pouvons donner full support mais seulement encore full support par nous dire avec comme Paul Taler pour qui nous gagne résultat pour pays avec les peuples ces lois. Alors Madame Lafortune moi envie dire que pour dire le nous côté ou pour gagner full support et nous souhaite tout courage et détermination de vos champs par habiter tout le temps de sa service qu'on rend les peuples ces lois. Et aussi nos petits pays. Avec ça, de toi, mon monsieur Speaker, moi, je suis content de remercier. Merci, Honorable Barisol. On va prendre l'autre intervention, on va voir s'il fait plus bien que ça, 3 minutes en termes de temps. Honorable Rose Bistoke. Merci, monsieur Speaker. Voilà pour vous dire, madame, monsieur Speaker, député. Madame Lafortune, je connais comment Anne, nous sommes à l'école ensemble, Regina Mundi, dans l'école secondaire. Et après, nous travaillons ensemble dans différents ministères, surtout le ministère social, la santé sociale. Et je connais une femme dynamique, une femme forte, une femme qui débrouille et une femme qui amène résultat.
Et là, la prévine de nous, les temps de son CV, il y en a 30 ans dans différentes organisations gouvernement. Et aussi, il y en a sa grande maturité. Il y en a sa habilité pour lead différentes organisations nationales. Participation au band board aussi, par une trouvée dans son CV et même en sa leadership role. Il y en a affiliation avec différentes organisations internationales, surtout côté conseil d'investissement dans le tourisme. Et aussi dans la collaboration internationale, par étudier tout à l'heure, côté il peut mettre son avant ensemble avec les autres petites îles, il peut mettre son condition ou son contribution. Côté toujours capable de faire même la voie pour amener plus de coopération multilatérale, surtout dans le développement de l'économie et l'investissement, spécialement dans le secteur tourisme. Ça a une sortie contre lui-même. Aussi, moi, comme madame, et madame Lafortune, comme madame, moi, pour supporter son appointement, à cause de ça, nous, bonne madame, nous tournons dans les mondes contre bonnes hommes prédominés. Et alors, promotion et madame pour représenter Cécile à l'étranger. Moi, quoi, ça y est, grand plus pour Cécile. Mon assuré, il peut faire très bien. Merci. Merci, l'honorable. On actuellement, écoute-moi, on fait bien 2 minutes. On passe la parole avec honorable Churchill Gill. Merci, Mr. Speaker. Very brief. Pour madame Lafortune, dans son, dans son dernier poste qui tu occupé, mon interacté avec lui beaucoup fois. Et mon n'a pas aucun doute que son background, dans sa lettre qui nous l'a dedans, il peut vraiment en retomber très fort. Mr. Speaker, il est tout le temps très important et fait plus sens pour cesser de représenter à l'étranger. Pas un cessez-loi. C'est un cessez-loi qui est plus capable de ça qui est plus bon pour cesser. Dans la place qui nous paye parfois, il est représenté par un djimoun étranger. Avec un tel bagage, madame Lafortune, il peut dans l'avantage cesser pendant un tel représentant à cause d'une situation de défi économique, celle qui paye peut faire face avec. Il tombe bien qu'il y ait des gens qui sont dans nos secteurs économiques plus importants, Cécile, qui pour représenter Cécile. Alors, il donne l'intérêt et moi pour supporter la nomination madame Lafortune. Merci. Merci, l'honorable. Encore plus bien, 1 minute et demie à peu près. On passe la parole avec l'honorable Wevan William. Merci, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, avec Monsieur Cotin, demain nous comprenons par le fait que nous pouvons appointer des ambassadeurs. Mon pas envie cause est allé. Ça permet de moi capable cause pour couvrir tous les deux qui t'allaient en bas besoin cause encore pour minimiser les temps. Mon cher préféré, dans nous cause le deuxième cause nous pas qu'on est qui peut arriver encore dans les 3 minutes devant nous. Ok. Monsieur le Speaker, avant que mon cause de sa motion, permettez-moi d'apporter mon remerciement pour souhaiter que le Speaker de l'Assemblée mentionne bon matin, il a porté avec l'idée des affaires du gouvernement vis-à-vis de sa appointement. Et je suis content aussi de remercier Clark, Mme Tania, Isaac, Honorable Etoudji, Honorable Sofola et ex-speaker Pile avec Poya. Qui, auparavant, dans sa équipe dynamique, nous sommes capables de faire une marque dans l'IPU. Monsieur le Speaker, présent mon pour cause de sa motion. Monsieur le Speaker, je suis content de donner un petit peu l'histoire et avant que mon vraiment cause de sa motion. Monsieur le Speaker, Convention Vienna, la relation diplomatique qui a été adoptée le 14 avril 1961. Par pays membre des Nations Unies, jusqu'à 2021,
193 pays qui ne forment partie de sa convention, qui tivine effective 24 avril 1964. Il définit un cadre de relations diplomatiques entre les pays indépendants. Monsieur le Speaker, il faudrait dire que depuis après la Première et Deuxième Guerre mondiale, relations diplomatiques ont évolué et prend différents intérêts. Ça, à l'époque, c'est basé sur le protège des droits humains, prisonniers, des guerres, des traitements, ainsi de suite. Bon Dieu, il bénit les hommes et l'intelligence pour créer, inventer et faciliter la cohabitation globale. Quand aujourd'hui, comparé à 4000 ans passés, les hommes ont évolué et à court aussi, existence dans un état d'isolation pour nous situer nous aujourd'hui dans l'environnement village global. En travers le processus de développement global et l'intérêt, l'essence, commerce, culture, tourisme et les autres services encore, plus responsabilité et l'importance qu'il gagne donner dans sa secteur. Sa ces relations diplomatiques, ils forment partie d'un élément important pour n'importe pays pour assurer son développement intégral, M. le Speaker. J'explique comment un diplomate, malgré pas de carrière, et qui encore peut pratiquer diplomatie parlementaire, mon pour apporter mon support pour sa déappointement, leur nécessité. Cependant, mon envie ajouter est que pour retirer certaines croyances et l'opinion qui n'est pas fondée, c'est que plusieurs pays, pas seulement appointent individus qui diplomates de carrière, mais aussi appointent politiciens qui aussi développent comment bon diplomate effectif d'avance politique sa pays et son intérêt au niveau international aussi bien. Autrement dit, politique et diplomatie sont complément de travail un diplomate dans son travail, vice-versa. Le président peut demander nous pour approuver l'appointement de sa citoyen cécilois pour venir ambassadeur. Cette diplomatie, relations étrangères, est dynamique et volatile. Simon, beaucoup de pays inclus Cécile, pas l'exception, prévoit encore d'autres missions à l'étranger et en relation avec la pandémie COVID pour assurer un niveau de présence conséquent pour bénéfice maximum l'intérêt national pays. Monsieur le Speaker, en bas de diplomatie moderne, surtout dans le pays Commonwealth, pays adopté différents rangs, tel Paris, ambassadeur, envoyé spécial, ministre, conseiller ministre, officiers chargés d'affaires, conseiller, premier secrétaire, deuxième secrétaire, attaché et assistant attaché, plusieurs pays y adopté différentes modalités. Position ambassadeur parmi tout, y rend plus important et plus senior dans l'ambassade. En d'autres mots, gagne voir comment chef de mission, head of mission, Paris internationalement, gagne reconnaître. Pour n'importe quel pays, il est plus favorable pour un diplomate de rang ambassadeur dans l'ambassade pour plus bien représenter sa pays. Un n'importe gouvernement y reconnaît et donne plus poids l'importance d'un individu, niveau et priorité, sans interaction avec les officiers plus haut dans l'exécutif sa pays. Un exemple, par exemple, l'un chargé d'affaires, pas pour un ministre ou soit secrétaire adjoint, trop souvent. Il poussent avec directeur général. Ça, mon imaginé, il applique dans différents pays. Mon pensée qui même protocole et coutume, il applique pour plusieurs pays. C'est ambassadeur ou soit au commissaire qui pourra un meeting avec ministre et l'audience avec président ou soit premier ministre. Quand est nécessaire, baser l'obligance et l'importance du dossier. Au lieu de faire les tours avec le dossier, conversation est plus directe et il y en a plus poids, gagne deal avec très vite. Et ambassadeur aussi contribué dans former les policiers des affaires étrangères à travers les relations internationales et bilatérales dans régions et pays accrédités. Position et stratégie des relations bilatérales et internationales est progressivement développée. Monsieur le Speaker, mon pays dit ça, basé sur l'expérience et connaissance développement tous les jours. C'est pour sa raison que dans un pays classé dans rang diplomatie active, tel Paris, l'Europe, la Chine, l'Inde, parmi les autres, est nécessaire et très nécessaire pour un ambassadeur. Nouveau gouvernement en guidance du président Ram Kalawan peut demander à la 7e Assemblée pour appointer des ambassadeurs par l'hôtel Motion Indi. Nous avons guidé par la Constitution et l'article 63N et l'article 54N ils donnent au président sa droit et responsabilité pour appointer ambassadeur ou commissaire. En reconnaissance, l'isance et nécessité pour s'aider l'appointement ambassadeur, mon poudon, mon support. Prenons compte que
exclusivement gouvernement, qui en a trois ambassades qui ont fermé, pour raison qui est valable. Il y en a quatre ambassadeurs qui ont arrêté, et certains parmi pour en retraite. Nous en avons des ambassadeurs qui ont fait retourner, par une ou deux recall. Il y a une soit une décision qui est capable de prendre par un individu qui est dans la position ambassadeur et par n'importe gouvernement pour plusieurs raisons stratégiques. J'explique que si tout est l'exigence de diplomatie active, l'intégration et globalisation pour sauvegarder l'intérêt et n'importe gouvernement pour son développement intégral. Sa composant relation avec les autres pays peut prendre un rôle plus significant, plus d'efforts à travers l'agrément multilatéral, régional, peut être signé. Pour renforcer nos rôles diplomatiques dans certains coins globaux stratégiques et importants pour en avoir une présence gouvernement au niveau, tel par la Chine, Nations Unies, parmi les autres coins globaux importants. Ça des individus qui décèdent ces lois, chacun avec un niveau, l'expérience, travail, la diplomatie, comment carrière et comment impliquer dans plusieurs démarches dans le secteur tourisme à l'étranger, on voit tous les deux bien placés pour gagner à pointer comme ambassadeur. Madame Lafortune parle des faits qui, depuis longtemps, dans l'ambassade et les autres rôles importants, c'est promouvoir l'essence touristique et pays parmi les autres. Parmi les autres positions qui nous occupaient, si le président il nomine lui, mon croix dans son choix, et soit M. Yann Madeleine, qui est un diplomate de carrière, mon pour supporter. En terminant, M. Speaker, je vous souhaite tous les deux individus, tous les biens, et vous faire nous fiers. Je aussi saisis à l'occasion pour féliciter et remercier mon ambassadeur et diplomate Cécilois, qui représente Cécile dans toute l'ambassade à l'étranger, surtout dans ce moment difficile, pandémie COVID. M. Speaker, avec ça des petits mots, je vous apporte mon support. Total, merci. Merci, honorable William. Je passe la parole avec honorable Pilet. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pendant le temps que mon écoute, mon intervenant, qui est intervenu avant moi, mon frère, mon esprit m'a assez, donc il m'a dit mon propos, mon petit morceau, contribution, le sassisé. Il n'est pas la première fois qu'il m'a voulu mon main pour appointer ambassadeur ou bien pas appointer ambassadeur. Mon petit frère, il est l'honorable William, qui est présenté comme ambassadeur qui est aujourd'hui même l'Assemblée, d'après mon état de 5e l'Assemblée. Et à ce moment, il y a une même question que je demande à Mme Lafortune, qui m'a senti, Mme Lafortune, c'est répondre, en relation avec l'ambassadeur, il devrait être un prémisse qui est réservé pour un diplomate, un monde qui fait carrière de diplomatie, ou bien pour un autre monde. Si l'histoire m'a tenu nous pour dire, un monde qui n'a pas une carrière de diplomatie capable de faire aussi bien qu'un monde qui a une carrière de diplomatie. Et tout le monde, pendant, from son perspective, quel est un monde qui croit plus deserving pour un poste ambassadeur, dépendant de l'eau qui libre et guetté. Mais il est important aussi pour l'Assemblée réfléchir sur l'exercice que nous pouvons faire, la façon que nous pouvons faire aujourd'hui après-midi. Et je suis content de bonne membre cause la promotion et madame qui a l'opportunité pour lui avancer devant. Et je les remercie sa bonne membre qui ça la pose que je peux prendre, j'ai besoin tout le temps pour en lire. Pas pour en lire si à cause de ceux autres et aujourd'hui à cause du gouvernement qui est au pouvoir, mais pour en lire aussi si le gouvernement qui n'est pas au pouvoir et où tu as besoin de faire soi dans notre monde. À cause de parler passé, il y a une madame qui est présentée dans l'Assemblée pour une position telle comme un ministre. Quand l'Assemblée ne pas donne l'opportunité, ça va madame pour venir devant l'Assemblée pour présenter tous les corps ou bien expliquer à cause de devoir devenir ministre dans le gouvernement. Donc, cause de droit et devoir président pour présenter un candidat pour un poste ambassadeur, certes, il y a ma constitution. Et moi, mon papa vous en met aucun cas contredit ce que la Constitution dit. Vrai, il est voix, il doit président présenter sa candidat. Et ce qui m'a besoin de demander mon corps, c'est est-ce que sa candidat qui présente son corps, il a quitté son corps d'une façon, quand il répond à une bonne question, quand il ne vous fait mon convaincu pour dire qu'il est capable de venir ambassadeur. Dans le contexte, madame qui présente devant nous après-midi, mon papa a besoin de dire oui. Après, mon besoin de dire, l'homme mérite son interaction avec nous dans l'Assemblée. Pas l'aucun les autres cisés, pas l'aucun les autres contentions. À cause de la contention, inutile par l'effet que sa madame est présentée en bas une motion qui est genuine, en bas nos constitutions et en bas nos standing orders. Et ça qui m'a besoin de faire aujourd'hui. Il m'a l'air pas les passer, pas tout le monde l'Assemblée qui ne voit ça comme ça. Il m'a l'air pas les passer, nous dénier l'opportunité individu qui est capable de faire une contribution énorme pour nos pays, à cause justement nous regardons les autres contentions. Nous regardons probablement contention politique, rather than regard l'opportunité
et capacité individu qui nous présente nous devant l'Assemblée. Et moi, je suis content de l'Assemblée qui ne pas jamais répéter encore. Qui jamais encore l'individu présente son école devant l'Assemblée, nous regarder un point de vue politique, nous regarder un point de vue contentionnel, mais non pas un point de vue qui m'a hier quitté son école. Bon matin, nous sommes à côté de la table, nous interactons avec la proposition commissionnaire, nouveau commissionnaire pour la police. Et par la constitution exigée, le gouvernement fait son bout et nous présente un candidat. Et encore une fois, ce candidat il a quitté son école et il répond à une question, à l'exigence qu'il a semblé mettre devant lui, d'une façon qui est noble. Et ça, il fait qu'il lundi, il présente son école pour une interview d'une façon qui est noble. L'application, la justice, il demande qu'il vous donne son Dieu. Et son Dieu, dans le contexte de l'Assemblée, c'est une approbation pour lui sa position qui est supposée gagner. Et ça, il y a un principe qui besoin d'être appliqué dans tout département gouvernement aujourd'hui. Et moi, je plore l'Assemblée, moi, je plore le gouvernement pour pratiquer ça. Dans mon lisier aujourd'hui, je peux regarder Mme Lafortine comme un civil servant, qui est un career civil servant, et malgré qu'il nous cause la carrière dans la diplomatie, nous sommes capables aussi de causer la carrière qui le bénéfice travail de public service dans différents domaines, à différents niveaux, et aussi emmener pour un monde qui est capable de faire une carrière dans la diplomatie après. Je crois que l'Assemblée a besoin de faire aujourd'hui, en relation avec la Mme Lafortine, c'est considérer que l'opportunité de gagner avec un Dimoun, mais expecter que ce Dimoun saisisse l'opportunité pour lui faire tout son possible pour délivrer à la hauteur l'exigence, ça l'ouvrage qu'il gagne pour lui faire. C'est ça qui reste, ultimately, nos décisions finales qui nous besoin de faire. Donc, so, M. Speaker, je n'ai pas aucune réservation aujourd'hui pour moi donner mon support Mme Lafortine comme ambassadeur pour la République Cécile. Et mon senti qu'il comme un public servant, il y avait même certains atouts qui va être lui délivré de son ouvrage. Ben, les autres considérations que le gouvernement avait pour faire vis-à-vis dépenses, ressources qui existaient, il y a une considération que le gouvernement a besoin de faire son décision Lola lui-même. Je parle à l'exécutif, je parle pour dire qu'il y a l'exécutif, il devait être gagné. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont besoin de faire mon bout par la constitution et demande moi. Et dans ce contexte, je vous demande les peuples pour comprendre que nous pouvons faire un travail après-midi pour nous appointer un représentant Cécile, un représentant de la diplomatie Cécile, et que Mme Lafortine nous montre qu'il est capable de faire ça l'ouvrage, qu'il pourrait appointer pour lui faire. So, je les souhaite tous les bons de sa carrière. Je aussi extends mes félicitations pour sa famille. Il y a une position très noble et très importante dans nos pays. Et moi, je souhaitais qu'il y avait un support avec son famille pour lui capable de délivrer de son nouveau carrière et de son nouveau poste qu'il y avait gagné. Merci, Mr. Speaker. Merci, l'honorable. Je passe la parole présent avec dernier intervenant pour faire son summing up, l'auteur motion, leader of government business. Honorable merci, George. Mr. Speaker. Mr. Speaker, tout quelque chose qui a besoin de dire l'appointement proposé, Mme Anne Lafortune, il a dit, mon papa, moi, pour passe-moi le temps. Ou bien garde le temps de l'Assemblée pour répéter ce qui nous a organisé. Celle quelque chose, moi, va dire, c'est des quelque chose. Premièrement, Mme Lafortune, il y a du monde qui sorti d'une famille qui est une famille très respectée ici, c'est celle, et il conduit son école, lui aussi, d'une façon exemplaire pendant son la vie et pendant son carrière. Donc, de sa côté, n'a pas aucune défaillance qui nous capable dire qu'il n'est pas dévoué. Viennent représentant nos pays nationalement et internationalement. Deuxièmement, il fait nous comprendre après-midi, à cause qu'il croit que le président il choisit lui à ce moment pour sa poste. Et il fait ça d'une façon terriblement claire. C'est-à-dire qu'il a continué aujourd'hui, tourism avec foreign affairs, il a besoin de cause même parole. Tous les débuts d'un travail en synergie, nationalement et internationalement, pour faire sûr que ça mène pilier nous l'économie, il reste solide et il grandit et qui amène plus d'investissement ici, c'est celle. Pour capable faire ça, meilleure qualité du monde, c'est un qui en a un bagage tourisme, qui Mme Lafortune y en a, d'une façon exemplaire, et qui est capable de faire sa transition et venir dans le ministère des Affaires étrangères.
et travaille dans son ministère pour être capable d'amener sa quelque chose. Plus tourisme, plus l'investissement. Le ça, des points, sa madame, il passe avec, pareil, anglais, flying colors, et pour sa raison, non seulement nous pas capables, pas à Pointe-Lie, mais nous devons être joints ensemble et félicite nous les corps, les nous à Pointe-Lie après-midi, comme ambassadeur. Ou bien plutôt, les nous approuvent son appointement qui président pour faire comme ambassadeur. Merci, Mr. Speaker. Merci, Honorable George. Donc, présent nous pour passer le vote pour cette motion. Je vais relire avant qu'il nous prenne vote. In accordance with Articles 63.1 and 64.1 of the Constitution, this Assembly approves the proposed appointment by the President of the Republic of Mrs. Anne Lafortune as Ambassador. Donc, tout bon membre qui en faveur, indiquez, s'il vous plaît. Merci. Aucun membre qui compte. OK, merci. Donc, proposition pour l'appointement de Mme Anne Lafortune comme ambassadeur. Nous avons 24 membres qui votent en faveur. Aucun membre pas vote contre. Et aucun membre pas abstenir. Donc, son proposition, il gagne l'approbation de l'Assemblée nationale. Avant que nous passions l'autre motion, nous avons besoin de prendre un first reading, un bill qui nous avons besoin, l'Assemblée pour besoin considérer semaine prochaine. Donc, je vais inviter Mme Clark pour faire first reading, s'il vous plaît. Merci, M. Speaker. This act may be cited as the Revenue Administration Amendment Act 2021. Merci, M. Speaker. Merci, Mme Clark. Donc, nous allons prendre le dernier item pour aujourd'hui, le nous order paper, et je vais inviter LGB pour présenter la motion, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, une troisième et dernière motion aujourd'hui. Et c'est une autre motion pour approuver l'appointement d'un ambassadeur. Et sa motion, il est comme suit. In accordance with Articles 63.1 and 64.1 of the Constitution, this Assembly approves the proposed appointment by the President of the Republic of Mr. Ian Madeleine as ambassador. Mr. Speaker, pareil, nous avons fait dans sa appointement précédent, m'ont proposé qu'ils ne m'ont pas adressé sa motion là, mais qui après qu'ils ont secondé, m'ont amené une motion pour qu'ils entrent dans ce comité pour nous inviter M. Madeleine pour venir répondre à trois questions, explique-nous un peu son carrière avant qu'il nous retourne dans ce débat. Merci. Merci. L'honorable George, pour l'instant, nous passons au second motion. Quel membre qui seconde? Honorable Philippe Monti. Merci, Monsieur le Speaker. Comme un membre haïti, il y a plaisir pour moi, seconde motion, amené par LGB qui peut demander à l'Assemblée pour approuver nomination M. Ian Madeleine comme l'ambassadeur. Merci. Merci, honorable Monti. Nous motion pour comité. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, en accord avec Order 84, nos standing orders, mon move sans notice que l'Assemblée est constituée sur les corps dans l'Assemblée, dans un comité, l'Assemblée en entier, pour nous faire sa stase qui peut suivre, c'est-à-dire invite M. Madeleine et demande-lui certaines questions. Merci. Merci, Honorable George. Motion secondaire. Honorable Barisol. Monsieur le Speaker, pour nos derniers, dis-moi qui viennent en dedans pour nous gagner sans interaction avec lui, je suis content. Seconde motion pour justement pour nous capables de faire sa petite interaction avec M. Madeleine. Merci. Merci, Honorable Barisol. Donc, par l'habitude, nous allons prendre votre vote. Là, on va juste demander à Sergeant Adams pour mouvement, s'il vous plaît. Entre-temps, nous allons demander que M. Madeleine soit invité pour joindre nous dans l'Assemblée.
Et entre temps, qui nous espère, M. Madeleine, nous va bien si nous capables, encore une fois, quitte nos questions brefs et même nos débats après, comme si nous capables de sortir. Pas pour nous tailler le travail, mais seulement finir dans les temps raisonnables à cause d'un bon staff aussi qui bizarre dans la cour. Merci. Monsieur Madeleine, bienvenue à l'Assemblée nationale pour cet après-midi. Donc, qui m'a dit, nous posé dit pour aller, c'est qui nous prend vite tout pour faire une présentation bref, le ou même, le ou parcours, et carrière, si tout, en relation avec carrière. Et après ça, nous pouvons la salle pour bonne membre poser des trois questions et nous pouvons inviter bonne membre pour faire des autres questions courtes. Et nous pouvons inviter aussi pour faire la réponse précise et assez courte à cause contrainte les temps. Et après ça, les gens avant de quitter nous, nous pouvons faire un débat avant qu'ils nous prennent un vote. Donc, je vais inviter pour faire une présentation, s'il vous plaît. Merci, M. Chair. Bon après-midi, M. Chair. Bon après-midi, leader des affaires gouvernement de l'Assemblée. Bon après-midi, leader de l'opposition. Bon après-midi, tout bonnement honorable et tout le monde qui l'écoute. Tout d'abord, je suis content de remercier l'Assemblée nationale pour donner cette opportunité pour présenter mon accord en faveur de sa nomination. Il y a un grand honneur pour moi, à votre disposition aujourd'hui, pour donner un aperçu de mon parcours, mon expérience et mon connaissance. Je m'appelle Ian Madeleine, moi j'ai 36 ans. Mon marié, mon a des enfants. Moi, j'habite en Glacy. Mon école Glacy depuis la crise jusqu'à SN. Et mon l'école secondaire après ça jusqu'à S5. Mon complète élève polytechnique en 2004. Mon carrière professionnelle, j'ai commencé dans l'enseignement en 2007. Après, j'ai fini en AI avec un diplôme dans l'éducation secondaire. Et qu'une spécialisation dans la science sociale. Après ça aussi, de plus, moi aussi, j'ai un bachelor de l'éducation secondaire. Et pendant mon parcours université, je me suis centré plutôt dans l'histoire avec la science politique. Et moi aussi, j'ai un master dans l'administration publique avec l'université Tsinghua. Juste pour noter que mon premier degré, mon petit fait l'Australie avec l'université Edith Cowan. So, mon petit enseignant côté l'école secondaire Beauvallon, from l'année 2007 jusqu'à 2008. Et après, mon petit a fait mon degré, là, mon petit retourné, mon petit continue dans l'enseignement from 2010 jusqu'à Zilliet 2011. Mon parcours dans la diplomatie. Tu commences le 4 juillet 2011, comment tu transfères dans le ministère des Affaires étrangères, comme un troisième secrétaire des Affaires consulaires. Pour à peu près 5 mois, mon petit travail comme sales officier consulaire pour pays, avec l'assistance un office assistant. Là, mon petit engagé, mon responsabilité, basically, pour rester engagé avec mon CCLOA qui est dans la détresse à l'étranger, pour les autres. Je suis aussi engagé avec négociation visa waivers et avec l'appointement de conseil honoré parmi les autres responsabilités qui affaires considérées. Quand même responsabilité bien chargée, en vie qui m'ont tissé les officiers, je suis aussi desservi ben, les autres dossiers from ben, les autres divisions. À cause de l'État, tu n'as pas assez staff de sa, ben, les autres divisions. Et alors, par qui travaille considéré, moi, tu aussi occupe contribution vers l'organisation internationale
et candidature vers l'organisation internationale, demande l'assistance légale et aussi une responsabilité pour les déclarer pour eux, comme presse attachée. En 2014, après recevoir mon master, mon petit transfert dans la division relations internationales et comme un deuxième secrétaire, et mon petit occupant de dossier Wesley Group, c'est-à-dire un pays, Paris, Royaume-Uni, la France, l'Espagne, ainsi de suite. Et là, mon petit engagé avec manage relations bilatérales entre CCL et Xabon, différents États. En 2015, mon petit gars est posté comme un deuxième secrétaire de l'ambassade CCL à Paris. Mon rôle, c'était pour supporter mon travail qui est ambassadeur qui est là, ça l'étant, dans la représentation CCL vers un pays qui est en bas de jurisdiction de l'ambassade, mais aussi dans l'organisation telle que UNESCO, l'OIF, qui est l'organisation de la francophonie, OECD, FAO et IAEA. Pour mon posting, j'ai une expérience très riche qui m'a aidé à solidifier mon connaissance et l'expérience dans la diplomatie. Les ambassadeurs qui sont là, ça l'étant. C'était l'ambassadeur Chamla. L'étant qui finit son tour, mon petit besoin de servir d'un rôle chargé d'affaires par intérim pour à peu près 5 mois jusqu'à l'arrivée de nouveau ambassadeur. Et là, de sa rôle, je suis simplement responsable pour le fonctionnement de l'ambassade, qu'il soit administrativement, mais aussi au niveau de l'activité diplomatique de sa juridiction. Mon retour à CCL en août 2017, après que mon tingan est promoté directeur protocole, et mon desservi de sa rôle jusqu'à décembre 2018. Comme directeur protocole, moi, j'ai une responsabilité pour assurer bonne conduite et l'implémentation de la convention Vienne, nos relations diplomatiques. En plus, coordine et organise l'événement national et diplomatique, tel que une visite d'État, pareil, spécifiquement, j'ai une visite du président Sri Lanka, m'a fait par la Sirisena en octobre 2018. Mon aussi travaille fortement la politique liée avec privilèges et immunités qui sont diplomates, ils ouïent en bas de la convention diplomatique ici, c'est sûr. En janvier 2019, mon petit prend responsabilité directeur des affaires maritimes, qui tient une nouvelle section, m'a daté pour poursuivre l'opportunité que l'intérêt, c'est vers l'espace maritime et consolider le rôle de nos pays comme un leader dans le domaine sécurité maritime. Après la restructuration qui nous fait arriver récemment, le département, mon vin directeur pour les affaires régionales, pour un certain temps, mais aussi mon nuit sa responsabilité pour sécurité régionale et les affaires maritimes. Voilà un petit peu mon parcours. Avec beaucoup d'humilité, mon petit a content de saisir l'opportunité pour remercier tout le monde qui, d'une façon ou un autre, il est dans mon parcours, inclut mon famille. La liste est longue, mon papa pour faire justice par comment se nomme, non. Et pour un privilège pour moi, représente le pays et les PEPCC ses lois, s'ils ont décidé d'approuver mon nomination aujourd'hui. Merci, M. Chair. Merci tout bonnement, honorable, pour votre attention. Merci, M. Madeleine. Je vous présente, ouvert la salle pour questions et premier intervenant, honorable Boireau. Merci, M. Chair. D'abord, je voulais welcome Ian dans l'Assemblée, à cause Ian, moi étudiant, pas student. En vécu, Ian est diplomate de carrière. Je suis à côté qu'on est qui sont point de vue au qualité qui fait un bon diplomate. Deuxièmement, envie qui est stratégie gouvernement, c'est pour servir bon bureau l'ambassadeur, pour aussi promouvoir CCL comme une destination touristique. Qui façon sa nouvelle stratégie, il fit dans l'ouvrage un ambassadeur et bon travail la diplomatie. Troisième petite question qui m'en a pour Yann, c'est que en ce moment climate change
avec vulnerability ban small island state et incisé qui hot on the table et comment ambassadeur est-ce qu'il senti ou capable manier et fraude épaules avec ban go l'état qui pas croire dans climate change. Merci. Merci honorable, bien en 3 points, monsieur Madeleine. Merci, monsieur le chair. Merci, honorable. Je suis content aussi remercier vous pour bonne valeur qu'on n'aime pas le mot, comme mon ancien enseignant. Bon, d'abord, qualité, quoi qui fait un bon diplomate. Okay? Principalement, moi, quoi, la première question que vous avez besoin en an, c'est que vous avez besoin en un sens de loyauté vers le pays. Okay? Et deuxièmement, ou besoin aussi en an, ça drive pour faire cet essencement dans le sens pour bénéfice et développement pays. Pour apporter sa contribution qui est nécessaire pour aider au pays et de l'intérêt de Cécile. Troisièmement, il y a une valeur des bases comme respect, humilité. Il est très important. À cause de là, pour commencer sa carrière, il n'est pas une carrière qui est facile, il est vraiment demanding. Si vous avez besoin de monde qui parle pour écouter, qui parle pour apprendre, qui parle pour démontrer une bonne valeur, qui pour permettre tout recevoir sa connaissance et bonne skills qu'on a besoin pour faire sa travail. Ça est la première question. Deuxièmement, le côté promotion, tourisme. Je crois que tout quelque chose qu'un diplomate fait, un diplomate n'a pas expecté pour devenir un expert de sa field. Son expertise, li, c'est pour connaître how the diplomatic system est marché et travailler dans une stratégie pour capable en un maximum focus et maximum résultat qu'il a gagné retiré from sa système. C'est-à-dire que vous travaillez dans une stratégie conjointement avec bon partenaire clé. De sa carte, moi, mon carrière diplomate, mon pas un tourisme expert, mais mon rôle, c'est que mon besoin rester engagé avec bon département et bon l'agence qui concerne avec tourisme. Et mon quoi qui ça la pose que le gouvernement il prend pour emmène sa des entités ensemble, Foreign Affairs avec tourisme, et pour faciliter travail qu'un ambassadeur a besoin de faire à cause pour gagner accès directement avec bon point et bon priorité qui se sert de l'étendant dans le domaine tourisme pour capable faire ce travail. Et nous, comme bon ambassadeur, nous rôle c'est trouver sa joint, trouver sa la porte pour capable faire sa promotion nécessaire. Un petit peu lié avec sa troisième question aussi, je crois que sa deuxième réponse qui m'a donné. Changement climatique, il restait mandat. Il y en a un département ici qui deal avec changement climatique. Mais nous, rôle comme ambassadeur, par exemple, c'est pour capable comprendre how qui maillait ça l'aspect politique étranger y marche. Qui motivation, qui sa pays, qui quelquefois n'ose pas trop croire dans sa bonne concept qui est mis devant. Qui motivation, qui peut vraiment drive zot. Et alors, bonne stratégie qu'un diplomate a besoin, qui a besoin d'établir, il a besoin de trouver une solution pour capable de tackle sa bonne qualité d'argument. Conjointement avec le département ici, Cécile, qui a l'expertise, avec connaissance dans sa domaine. Merci. Merci, M. Madeleine. Je vais passer la parole avec Honorable Sofola. Merci, Monsieur le Speaker. Bon après-midi, tout le monde. Monsieur le Speaker, comme Indigoa, mon fier pour sa zen, qui son racine sorti la digue, à travers un son parent qui est Indigoa. Monsieur Madeleine, comme un zen diplomate qui peut inspirer pour venir ambassadeur, mon roi qui a une très bonne vision pour Cécile. Monsieur Madeleine, si vous avez confirmé comme ambassadeur, qui vous peut envisager faire pour amener plus l'opportunité pour nos bonnes zènes, qui soit dans la diplomatie
ou dans les autres secteurs. Merci, M. Speaker. Merci, honorable. M. Madeleine. Merci, M. Chair. Merci, honorable. Il voit mon moment. Il y a du guise par son louisine. Merci, honorable, pour l'encouragement. Le côté, l'opportunité pour Banzen. Mon en a responsabilité, mon en a staff qui jusqu'à présent peut travailler par moi. Et l'importance qui m'a mis, c'est sa bonne valeur qui m'a mentionné tout à l'heure dans ma réponse pour question qui honorable ou indépendamment. Il sait qui, as much as possible, mon c'est impact, sa bonne valeur qui est nécessaire pour Banzen capable de connaître quoi. Qui peut faire ou successful dans la carrière. OK, par exemple, mon mentionné dans les militaires, respect et ça drive pour faire si vous dit no matter quoi que vous faites des fonctions gouvernement ou vous faire li pour ou pays, ou vous faire li pour la société. So, mon quoi par l'exemple qui m'ont fait donner si par votre volonté, mon gagne approuvé dans sa poste, il prend l'exemple pour dire, pas que on a un certain âge ou pas qu'arrive à un certain niveau dans une carrière. Mon pas connaît si on aura un manque une question ou avoir juste remindement si en cas ça il est cas. Merci beaucoup. Allez, honorable Sofola, si il manque une question. Y a OK, Monsieur Speaker, merci. Merci. Nous vous passons l'autre intervenant. Ma demande, Monsieur Madeleine, et aussi pour l'Assemblée. Voilà, où tu peux venir, moi tu peux imaginer, pour dire mon bon désavoir. Après, dans mon travers, c'est mon réalisé mon désavoir avant. Mais il y a un membre public dehors qui peut dire, ils n'ont pas tout aussi, lesquels. Donc, nous pouvons donner permission, brièvement, pour juste sur masse, ceux qui peuvent publier la télévision, il va voir lesquels, comme ça, on va être capable de connaître lesquels qui nous peut interagir avec. Pour cet intervenant, honorable Esparon, ou MNE, dans le district où tu sorti. OK. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, oui, moi, Emmène, M. Madeleine, et mon fier, vous dites, quand moi, les enfants glacés, qui vont poursuivre son carrière un peu plus loin. M. Madeleine, les enfants qui sont glacés, son maman qui sont racines, ils sont sortis la digue. Mr. Speaker. OK, procède avec vos questions, Noah. Monsieur le Speaker, je vais demander avec M. Madeleine. Je connais pour dire honorable Waron, je demande sa question. Mais c'est en termes de l'expérience du ministère des Affaires étrangères et de l'exposé international, qui contribution quoi pour capable de mener? Je ne vais pas faire côté touriste pour promouvoir celle dans n'importe quel pays ou l'ambassade qui est placée sur le point. Et en vie crise économique qui c'est celle qui peut faire face avec. Quoi que vous sentiez qui mérite priorité politique étrangère, Cécile. Merci. Au moins pour sa première, ça a la réponse. Répondre sans masque pour dire mon voix au-delà. Quoi pour avoir arrêté. Merci. Merci, M. Chair. Merci, honorable. Bon, la première question, honorable. Je crois que si vous pouvez mon CV, par quoi qui m'ont fait. Dans le ministère des Affaires étrangères, il y a un parcours qui est assez large. Okay? Mon an a responsabilité des affaires consulaires qui mon deal directement avec le problème qui est public en an. Et mon assisté plusieurs personnes. Mon aussi travaille le bon dossier bilatéral comme un officier dans relations internationales. Ensuite, mon travail dans l'ambassade, mon licence faire chargé d'affaires, mon travail comme directeur protocole qui est la base de la diplomatie. Et après, moi aussi, mon responsabilité pour la sécurité maritime, qui n'a pas sens pour pas juste travailler à un niveau procédure technique, mais à un niveau stratégique. Développement de stratégie pour nous avoir un intérêt tombé tangible. Je crois que, de plus que ça, l'autre aspect important aussi, c'est l'aspect valeur qui m'a démontré dans mon travail. Basically, mon tout coup fait ici que mon travail est droit
et qui, pareil, m'ont dit, m'ont fait un travail avec responsabilité et respect. Et alors, moi, quoi, ça, il donne mon sa bagage, à cause pas oublier, les temps, nous pas, dit, mon gars, il possédait l'ambassade, c'est tout là, avec sa moment difficile. Et l'ambassadeur, probablement, dans certaines circonstances, il poussait le diplomatique et jeune de sa l'ambassade. Il peut besoin d'une connaissance, un petit peu de tout travail qui est l'ambassade a besoin de faire. Et alors, mon imaginaire, l'expérience qui m'a en même s'il si n'a pas 30 ans, 20 ans, mais l'impact qu'il m'a fait pendant sa 10 ans, il a mon sa bagage pour faire sa louvoise, ce qui est nécessaire pour ceci. La deuxième question, politique étrangère. C'est tout là de sa l'état qui nous peut vivre. Je crois que la politique étrangère a besoin, Cécile, son politique étrangère, il a besoin pas de focus on the now, mais c'est moi, on a bon découlé, on a bon l'objectif qui, pour le moment, qui court terme, okay? C'est-à-dire court terme, dans l'immédiat, quoi que Cécile ait besoin. Les gros préoccupations que Cécile a en a, il COVID, l'impact que COVID bien dans le pays, et alors, à la court terme, nous avons besoin, basically, nous faisons une politique pour besoin de façon pour capable mobiliser bande coopération et support pour si monte ça des faits qui nous peut passer là-dedans. Et ça y a un bon exemple de restructuring, mais y a une bonne assistance qui pour tacler qui fait une short force dans nos ressources. Mais le niveau moyen terme, je crois qu'il faut faire une politique, besoin get ça la bonne consolidation et renforcement ben secteur économique qui est en place, par exemple relancement tourisme et renforcement ben activité touristique pour mener sa retombée économique qui nous besoin. Et de plus aussi en un road ben l'opportunité pour quelquefois explore façon pour nous augmente l'exportation d'un bon secteur qui existait pour le moment. Et ça qui fait que l'objectif long terme, je crois que vraiment primordial que nous avons l'aspect diversification économique qui nous avons besoin de faire et the building of resilience. Okay? Résilience, je crois qu'il y a l'aspect développement qui. Que faut nous pas mettre beaucoup l'accent là parler, mais c'est vraiment important à cause c'est ça qui peut déterminer si demain nous faire face contre un autre choc, whether or not nous pouvons garder boutons dans les pieds ou soit nous pouvons taper fort encore. Et là mon quoi il y en a ben il peut prendre plus le temps à cause il peut aussi involve un remaniement ben l'acteur économique et ben policy que vous avez mis en place pour permettre ça. Et mon quoi il y en a l'opportunité de mon secteur pays, ICT, l'information et technologie, avec même dans l'économie blé, nous avons marine biotechnology. Et alors, World Foreign Policy, c'est pour ça que retrouve une bonne coopération qui peut développer sa bonne idée de façon long terme. Merci. Merci, M. Madeleine. Donc, je crois que ça dit ça, la réponse nous donne une opportunité publique pour voir Figui et qu'il fasse bien aussi à servir un extract de ça, la réponse là, qui est très intéressant. Pour nouvelles, si j'en mets le public voir figure. Na part de l'autre intervenant, honorable Pile qui next au mon la liste. Merci, Mr. Speaker. Welcome, Monsieur Madeleine. Je suis enfant classique, je connais très bien. Je connais depuis l'enfance. Et pour moi, il y a un plaisir et un honneur pour voir où dans l'Assemblée. Je peux faire ça, mon quoi, ou famille, ou même et la famille. Et of course, M. Frankie, wherever he is, il peut regarder, he's very proud. C'est la question qui m'a pour vous, à cause de moi, aujourd'hui après-midi. Là, nous causons le message, parfois nous causons le bon mauvais message qui nous gagne. Je gagne des trois messages, moi aussi, qui me dit, pour dire, Ian is a very hardworking individual and an asset. So, beaucoup de gens reconnaissent qu'il y a sa valeur, sa compétence pour travailler. Est-ce qu'il y a une madame qui a promis de nous? Qui a l'appointement comme ambassadeur qui élève l'île à un autre niveau. Ian Madeleine, pas pour perdre sa limité, sa simplicité, et sa dévotion et sa l'envie de travailler.
Merci, Mr. Chairman. Monsieur Honorable, Monsieur Madeleine. Monsieur Honorable, très brièvement, moi, nous avons l'engagement qui est Madeleine. Pourquoi tiens, il est Madeleine? Nous m'attend qui position il était à cause ça, il y a une valeur qui parle une dit qui mon parent il a inculqué en amont. Et mon pas quoi pour dire pour faire autres mon pas envie perdre sa bonne valeur à cause il bonne valeur qui est importante pour moi et qui m'ont pour faire si vous dites il reste avec moi tout le monde dans mon avis. Merci. Merci monsieur Madeleine. Honorable Barisol, vous drop donc il reste un dernier intervenant LGBT aussi pour des bonnes questions. Ben voilà, nous arrivons à la fin, nous séchons des bonnes questions, n'a pas aucun des autres membres qui n'indiquent qu'ils ont aussi envie de demander des questions. Monsieur Madeleine, on va remercier pour le temps avec nous de l'Assemblée aujourd'hui après-midi. Il va rester mon monsieur tout, le la part à l'Assemblée nationale. Bonne chance dans vos future carrières irrespectives qui votent après qu'ils ont fini de débattre. Merci, encore une fois, pour joindre nous. Donc, nous pouvons passer à l'autre stade. Nous travaillons pour l'après-midi. Nous avons demandé à Sergeant Adams pour réconcilier l'Assemblée. Et nous parlons de stade débat. 5h20, pour prenant compte les temps, moi, j'avais invité mon qui a dit un petit mot avant que nous prenions vote. L'honorable Clifford André. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, après-midi, nous voyons devant nous, là, M. Madeleine. Il montre nous qui pour dire un zen avec beaucoup de compétences. Il aussi montre nous qui pour dire dans son parcours qu'il vient un career diplomate il nécessaire parler qu'il y en a certains valeurs et l'expérience qui permet aux autres dans le ministère des Affaires étrangères, pour autres aspirer, qui un jour, vous aussi êtes capables de venir bon ambassadeur. Et même dans son jeunesse, M. Madeleine, il montrait nous qui, tout bonne question qu'il nous a demandé, et moi, mon impression est, pour écouter son réponse, et mon senti qu'il fait justice. Son interview devant nous, même si moi, je ne vais pas demander une question, mais les autres demandent, et mon écoute sa bonne réponse attentivement, et mon voir qui, si un dimon pour demander moi, si M. Madeleine, il passe son interview, moi pour dire, with flying colors, irrespective s'il sorti glacé, ou bien son parent, il sorti la digue. Mr. Speaker, avec sa des petits mots, mon pour réassurer M. Madeleine, qui, moi, mon pour donner sa support qu'il deserve, et mon espérer, pareil, il dit qu'il est temps, il prend son poste, côté, wherever le président est senti nécessaire, il desservit ses selles avec tout son courage, tout son vigueur, et il garde sa limité qu'il y en a, même si mon monde connaît depuis beaucoup de temps. Merci, Mr. Speaker. Merci, l'honorable André. On fait une présentation dans une minute. Mon point vite, l'honorable Sofola. Merci, Mr. Speaker. Moi aussi, mon comme brièvement. M. Madeleine Yezen, diplomate, qui saisit tous à l'opportunité qui peut nous donner. Et aujourd'hui, il vient un diplomate très, bon, très promettant. M. Speaker, après qu'il m'en écoute lui, sans doute, il y en a toute sa qualification, après tout son parcours qu'il fait, en comptant son étiquette et en cessant la guerre
qui pour faire les qualifier comme un ambassadeur. Monsieur le Speaker, ça l'appointement est très important. Il y a un modèle pour beaucoup de nos bonnes qui ont envie de servir Cécile. Monsieur le Speaker, avec sa bagage, qui Monsieur Madeleine y en a, m'ont assuré, qui pour toujours faire flotter nos pavillons avec nos hymnes nationales avec fierté. Mon demande, Monsieur Madeleine, pour continuer le rôle de l'ouverture pour le développement Banzen et en plus, continuer à grandir les relations sociales avec les autres pays. Mon souhait, M. Madeleine, bon sens dans son nouveau position et faire Cécile fière comme un ambassadeur. Merci, M. Speaker. Merci, honorable, pour sa présentation très bref. L'honorable Pilet. Merci, Mr. Merci, Mr. Chairman, pour très bref. Pour très bref, par l'effet qui, comme on dit, monde qui cause beaucoup, nous donne l'opportunité et pour donner une opportunité pour développer. Je ne suis pas capable de pas apprécier l'effet qui, un garçon parisien arrive devant l'Assemblée aujourd'hui, qui m'a voir aller grandir, m'a connu sa famille très bien, et qui a l'opportunité, et il montre qu'il n'est pas qui ça qui lit, qu'on est, qui n'est de développer, mais qui fait tout son parcours, tout son effort de lui-même pour y avancer dans la vie. Et moi, ça devrait servir comme une inspiration pour Banzen. Moi, un étudiant aussi aujourd'hui, moi-même, qui est dans l'Assemblée, qui vient de l'Assemblée, nous tous qui l'avons dit, nous, à travers nos parcours, nos carrières, qui nous rencontrons, qui nous avancent dans la vie. Et souvent, une fois, ça est montré pour dire la zone de ces lois, il y en a un potentiel, il y en a quelque chose d'autre à faire. Et nous avons besoin de valoriser Ban, qui montre un bon exemple. Et je suis content de la réponse pour ma question, qui est bonne valeur, qui fait l'ISA qui était, qui fait nous. En l'humilité, en garde cette simplicité, malgré peu importe la position que nous gagnons, il aussi pour garder une conviction et un principe fondamental qui m'ont croit là-dedans. Et moi, je souhaite lui tous les meilleurs dans son nouveau carrière et mon externe, tout mon encouragement aussi pour son famille, pour donner tout le support possible pour lui continuer à développer dans son carrière et pour lui faire l'honneur, Cécile, partout où il est capable d'aller, où il est posté. Merci, M. Chairman. Merci, l'honorable Pilet. L'honorable Arisol. Merci, M. le Speaker. Encore une fois, mon cœur y a l'honneur et toujours un plaisir. Il est temps de voir un autre Sicilois et cette fois-ci un jeune garçon qui est venu et puis c'est explique nous à cause lui qui besoin vienne sa ambassadeur qui Cécile Perraudet. M. le Speaker, LDS, son motto c'était Cécile pour tous nos enfants. Mon cœur est temps nous peut focus le plaisir du monde qui pas travaille. Di moun ki lo drogue, di moun ki tlo URS, pa deye tout ça là, il en a bon fruit Cécile. Et aujourd'hui, nous avons trois bons fruits dans nos pays. Nous commençons avec Ted Barbé, nous commençons avec Madame Anne Lafortune, et l'après-midi, un jeune garçon, M. Yen. Un di moun ki nous levé, il travaille dur, dans plusieurs positions, et aujourd'hui, il tombe dans sa position. Mon quoi, ça y ban, il sa la pose, qui nous vaut l'administration, il a envie promoter. Lever, débouiller et à la fin du jour, ou gagner sa récompense qui ont envie. Et nous fiers parce que ça y toi, c'est ces lois qui aujourd'hui, nous avons occupé une position clé dans nos pays pour faire nous pays fiers, nous c'est ces lois et aussi notre famille en relation avec ça. Alors, l'État nous a fait causer, nous a fait écouter autres. Il y en a plusieurs qui ont dit envoyer mon message, je dis que moi bien, tel qui n'a pas vu, ça prend sa position, un tel qui n'a pas gagné sa position. Un tel qui capable gagner sa position. Mais souvent, fois les bonnes ministres si viennent dans l'Assemblée, ils disent que nous avons ça. Si vous sentiez aucune proposition, aucune quelque chose, bon, je suis content de me dire, pour venir devant, faire qu'on est pour dire, moi aussi, là, je suis content, tel promotion, disparaît, nous, comme un membre de l'Assemblée, l'État, nous, en vivant un candidat, nous apposons nos partis, nous venons nous dire, et nous suivons bonne procédure, et finalement, nous passons devant la porte de la monde pour nous gagner électé, pour nous venir sa position, qui nous sommes contents en vie. Je suis content de profiter, remercier ça trois dix mondes, ça trois c'est lois qui viennent dans l'Assemblée, M. le Speaker. Suite aux autres débats, dans autres carrières, et respecter avec les autres bons résultats, paraît tout le temps nous pédir. Mais c'est mental, on a appelé, il y a quelque chose qui nous dit, qui m'a amassé, qui nous dit que nous faut espérer que nous l'Assemblée continue, le sabon l'année, parce qu'il nous servit l'exemple de Mme Lafortune, qui dans les passés, nous, comme l'Assemblée, nous bloquons certaines madame en relation avec bonne position, qui les autres salés, dans le gouvernement, les autres en vie. Mais moi, je vais dire pour dire, je vais remercier de l'autre côté de la table, pour dire, là, c'est LDS qui peut rouler le bord.
nous qui payons le border, so nous qui choisissons, lesquels bonne madame, soit bonne monsieur, qui nous sommes contents. Disparer les autres dans le gouvernement, les autres choisissent les autres madame, les autres monsieur, qui les autres contents. Là, il arrive nos sens, alors donne un petit support pour nous promouvoir sa 3 CC loi. Et sa 3 CC loi, Mr. Speaker, Zotin travaille en bas l'administration avant. Zotin travaille propre, honnête, franc. C'est pour ça raison nous nous sentons pour dire à cause non, Cécile pour tous nos enfants. Même Zotin travaille l'administration avant, si Zotin déserve imposition, par n'importe qui les autres CC loi encore qui pour venir, nous de LIS, nous pour tout le temps supporter qui nous CC loi. Ils viennent devant et continuent bon quelque chose pour nous payer. Alors nous nous croyons là-dedans et mon souhaité de l'autre côté aussi nous croyons là-dedans et c'est pour ça raison que nous donnons un coup de main pour nous supporter pour ça. Trois CC loi qui viennent dans nous l'Assemblée après-midi, nous devons contribuer pour nous payer. Pour qu'ils nous payent, ils avancent devant, ils ne pas avancer devant, c'est pour ça trois dix mais ils avancent devant pour les peuples CC loi et que les gens qui ont nous. Alors, le Samy Chespika, mon cher compte apporte mon support et mon cher compte demande tout mon membre de mon côté de la table, inclus l'autre côté, qui demande les autres supports de questions. Même on a bagarre, pas de gain, ça se demande son question à cause de l'étang. Il est resté très loin, mais c'est le moment qu'on a pour supporter et pour donner un vote. Merci beaucoup, M. Speaker. Merci, Honorable Barisol. Je ne rappelle pas mon nom à l'élève, mais je ne vais pas nous aller. Continue à lever, excusez, je ne vais pas nous percevoir. Donc, je vais dernier membre de la liste pour causer, je vais donner l'auteur motion, l'opportunité pour faire son summing up. Merci, M. Speaker. M. Speaker, nous passons un après-midi. Extraordinaire, côté mon quoi nous des derrière du monde qui nous gagnons aujourd'hui, une impression de nous par notre compétence et par notre franchise. Mon remercier tout bon membre qui intervenu dans sa motion, ont une fait sortie bon point très valable et mon remercier aussi monsieur Madeleine qui vient devant nous après-midi et qui nous répond toutes nos bonnes questions dans une façon exemplaire et dans une façon complète. Mr. Speaker, après-midi, là, nous voyons en effet des qualités diplomates. Un diplomate qui a un appointement politique et un diplomate qui a un appointement de carrière. Un career diplomate, M. Ian Madeleine, il dit lui-même qui est un diplomate de carrière. Il est entré dans la diplomatie, il est entré dans le ministère des Affaires étrangères, il peut progresser, nous le voyons dans son CV, third secretary, second secretary, etc. Et il peut monter bon rang jusqu'à là, il arrive à la tête, c'est-à-dire l'appointement comme ambassadeur. De l'autre côté, nous avons Mme Anne Lafortune, qui est un appointement politique, pareil, nous dit, dans le thème diplomatie. Ce n'est pas à cause qu'il y a un politicien. Il pas. Ou bien ce n'est pas à cause qu'il y en a une raison politique pour appointer lui. Il pas. Il dit sous service à thème comment une différence entre un carrière, un diplomate de carrière et un appointement politique à cause. C'est un politicien, président de la République, qui nomme sa ambassadeur. Ce n'est pas à cause qu'il y a un politicien, un diplomate qui a un appointement qui n'a pas de carrière. Il gagne à pointer à cause il en a l'aptitude pour un certain travail. C'est pour sa raison qu'on voit qu'il dans beaucoup de pays, les présidents qui viennent au pouvoir, ils choisissent un peu du monde qui sortit dans le ministère des Affaires étrangères pour venir ambassadeur, ils choisissent certains du monde qui n'ont pas, pas sorti dans le ministère. C'est ça qu'ils appellent bon appointement politique. Pas à cause de Bandi Mouni politicien, pas à cause d'en aucune affiliation politique, mais c'est son choix qui fait ça. Et ici, nous voyons l'aptitude de Mme Lafortune pour son travail. Il emmène le président, nomme-le comme ambassadeur. Et donc, nous voyons sa différence aujourd'hui. Et sa différence, il y a l'éventail qui permet nous gagner une meilleure représentation. Ou pas besoin de prendre du monde dans le ministère des Affaires étrangères, mais ou capable d'aller en dehors et prendre du monde qui vous sentit. Il y en a l'aptitude pour un certain travail, pas comme un reward politique. Là, il est vraiment mal si vous faites ça, mais vous choisissez du monde qui en a l'aptitude pour un travail et vous nommez-le dans sa poste. Après-midi,
nous, ou plutôt là, dernièrement, nous gagnons l'opportunité pour gagner un monde qui vient devant nous, qui est un homme upstanding, smart, bien élevé, avec une bonne éducation et qui a un large éventail de compétences dans la diplomatie. En d'autres mots, Mr. Speaker, M. Madeleine est capable de dire qu'il y a un role model pour la jeunesse CCLOI et pour la jeunesse CCLOI qui peut développer. Et je crois que nous devons être voir lui dans sa façon. Et c'est ça qui fait moi fier qui ne m'a pas atteint à un pays que sa bonne dimoune, pareil, M. Madeleine, est capable d'arriver à un très jeune âge à l'apex de notre carrière. Je crois que les nous sommes capables de prendre l'initiative et donner sa bonne dimoune qui en a sa compétence et qui nous montre sa compétence et l'opportunité nous pays est capable d'achever bonne merveille. Et vous connaissez qui ça dit moun, il y a des mouns populaires. Et vous connaissez qui ça dit moun, il y a des mouns qui sont capables de servir sa travail. Vous connaissez qui ça dit moun, il y a sa compétence. Les chacun y a envie pour en possession sa dit moun. La digue dit, il pour la digue. Glacier dit, il pour glacier. Et l'autre dit, moi qui suis montré l'école. Et ça y vient. Et ça, il faudrait, non, il faudrait chacun, les ou à chacun, y a envie, à capable un morceau un du monde, ou qu'on ait qui ça du monde, il y a un bon du monde. Et après-midi, nous voyons ça, et nous voyons un lot asset pour nous payer. Avec ça, de trois mots, Mr. Speaker, l'État, moi, je suis content, remercier encore une fois tout le monde qui prend la parole après-midi, et remercier les autres pour sa vote qui m'ont connu, peut venir. Merci. Merci, honorable George. Donc, il arrive là pour nous prendre un vote pour sa troisième motion, il m'a valili. In accordance with Articles 63.1 and 64.1 of the Constitution, this Assembly resolves approves the proposed appointment by the President of the Republic of Mr. Ian Madeleine as Ambassador. Donc, nous avons invité tout membre qui en faveur pour indiquer, s'il vous plaît. Merci. Aucun membre qui compte. Merci. L'eau, sa proposition pour nomination, M. Ian Madeleine comme ambassadeur. 31 membres, l'Assemblée nationale, une vote en faveur. Aucun membre, pas de vote contre. Et aucun membre, pas d'abstain. Donc, son proposition pour gagner appointé comme ambassadeur est approuvée par l'Assemblée nationale. Ça y fait que nous arrivons à la fin. Nous séchons travail pour aujourd'hui. Il y a un peu plus long. Et au cours de la journée, tout le temps, on dit bonne maman, votre présentation, tu combien longueur. Mon frère, ça cause mon lien courage. Tout le monde, comme mon collègue Mene qui peut causer. Pour nous, c'est faire une bonne présentation, courte, mais précise. Et si nous continuons, nous pouvons apprendre et nous pouvons faire bon travail beaucoup plus vite de bon jour qui peut venir. Donc, merci. Pour ça, la zone de travail et nous pour adjoindre pour nous rejoindre mardi.